Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux et présents pour cette rencontre avec Jean-Claude Martin autour de logique de la science-fiction, de Hegel à Philippe K. Dick aux impressions nouvelles, le livre que voici, un gros livre, un livre qui tient debout et qui se construit sous une forme de vaisseau spatial hegelien, pour traverser les différents grands ouvrages de la science-fiction. Que ce soit K. Dick, Asimov ou Van Vogt, pour ne citer que. Et tout simplement une première question pour toi, Jean-Claude. La science-fiction est extrêmement présente dans tes ouvrages disséminés. Je pense par exemple à Pluriver, où il y a des références notamment à Star Wars. Tu avais aussi dirigé un ouvrage consacré au film Alien, Métaphysique d'Alien, un ouvrage qui regroupait un certain nombre de textes autour de ce film. Et dans un entretien à la revue Chimère, tu avais déjà énoncé à ton interlocuteur la volonté d'écrire un livre, un peu comme ce qu'avait fait Deleuze autour du cinéma, mais cette fois-ci autour de la science-fiction. Et donc la question que, tout simplement, c'est comment le projet de ce livre est venu, comment il a été rendu possible aussi aux impressions nouvelles, et quel a été le point de départ de cette rencontre entre Hegel et la science-fiction, comme Deleuze avait fait rencontrer Bergson et le cinéma. Voilà. Merci de ces questions, et merci à la librairie Carnifet Nord de cette invitation. Merci à des personnes qui se sont déplacées par un temps quand même qui était tout à fait et qui est tout à fait épouvantable. Donc, pour répondre à cet ensemble de questions, je dirais d'abord que oui, un ouvrage, c'est la rencontre avec un éditeur, en l'occurrence les Impressions Nouvelles, qui sont dirigées par Benoît Peters, qui est connu dans le monde de la bande dessinée, mais qui est également un intime de Derrida. Il a publié un certain nombre de textes sur Derrida, et notamment une biographie. Et donc, j'avais rencontré Benoît Peters à Paris à l'occasion d'un hommage qui était rendu à Derrida. Et puis, je l'ai revu plusieurs fois. On a discuté ensemble de la possibilité d'un ouvrage qui tournait autour de la science-fiction. Je le savais attentif aussi à quelque chose qui relève de quelque chose, oui, de marginal, disons. Des marges de la philosophie sont, pour Peters comme pour Derrida, les lieux essentiels même de la création philosophique. Alors bon, sujet marginal, certes, mais c'est vrai que dans mon... Je dirais pas dans mon travail, c'est un nom que je n'aime pas trop, mais enfin dans ma démarche, la science-fiction a été quelque chose qui m'a suivi, qui m'a poussé. Je ne suis pas convaincu qu'on choisisse vraiment d'écrire un ouvrage. C'est parfois l'ouvrage qui vous choisit. Je veux dire, on peut pas se. Il ne s'agirait pas de se débarrasser de quelque chose qui vous hante de façon spectrale, non, mais c'était un ouvrage que j'ai senti comme un risque, évidemment, ayant écrit des textes sur Hegel, ayant écrit des textes sur la philosophie de Deleuze, par exemple. Bon, donc, je ne suis pas convaincu d'avoir vraiment voulu ce livre. Je ne suis pas convaincu d'avoir voulu écrire ce livre-là. Il s'est plutôt imposé à moi et je n'ai pas pu m'en débarrasser. C'est-à-dire que c'est, au fond, une entreprise qui m'a accompagné et qui m'a presque, comment dire, obligé, contre moi-même et envers mon parcours, à élaborer un certain nombre de rencontres qui étaient données dans ce que j'avais écrit au préalable. J'avais fait un ouvrage sur l'image virtuelle, je pense avoir été un des premiers à avoir réfléchi sur cette question de l'image virtuelle dans les années 95. Et comme tu l'as souligné, j'ai également réfléchi un peu autour de la question des multiplicités, des univers multiples, la question
des multivers, ou ce que j'appelle moi des plurivers, et en effet, la science-fiction décline ses motifs depuis sans doute Clark. Baxter aussi a beaucoup réfléchi sur ces questions des univers multiples. Et donc, ayant eu pour souci de m'inscrire dans une pensée qui ne soit pas une pensée systématique au sens où ce serait un système qu'on unifierait de manière cohérente et de manière rationnelle, la science-fiction a été un terrain d'expérience du paradoxe. Le paradoxe, la contradiction, c'est le moteur même de la science-fiction. Il se trouve que cette histoire commence sans doute aux États-Unis. Il y a eu des textes de science-fiction, notamment de Mitchell, qui n'est pas connu en France, et dont on ne se rappellera pas aujourd'hui. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a été extrêmement important. Ça a été le directeur du journal The Sun, et qui était donc un écrivain de science-fiction qui a élaboré tous ses textes autour d'une temporalité réversible, autour d'un temps qu'on pourrait percevoir non pas seulement à travers un télescope, mais à travers quelque chose qui serait un stéréoscope. Un stéréoscope au sens de la stéréo, non pas phonie, mais de la stéréovision, une espèce de télescope qui permettait de braquer sur des temporalités différentes. C'est la première machine à voyager dans le temps. Enfin, donc, alors, pourquoi je parle de Mitchell ? C'est parce que Mitchell a organisé l'ensemble de ses récits autour d'un personnage incontournable qui est Hegel. Mitchell fait référence à Hegel, à la logique de Hegel, et impose au fond, dans le champ de la science-fiction, ce personnage assez étrange qui va accompagner d'une façon comme ça, un peu spectrale sans doute, toute l'histoire de la science-fiction. On va le retrouver à peu près dans tous les récits, par exemple le récit de Wilson, de Bios, qui est un ouvrage tout à fait fantastique, enfin, se réfère à un moment donné à Hegel pour traduire la contradiction même du réel, la manière dont on se heurte à des paradoxes, à des luttes intestines, incessantes. Alors, bon, il faut dire que la philosophie, elle a très rapidement, au XIXe siècle, la philosophie française était nourrie par des motifs qui sont redevables à la science-fiction. Il y a Gabriel Tarde, qui est un philosophe, disons, sociologue, qui a réfléchi sur les questions de la société, qui s'est penché, qui a sans doute écrit peut-être d'ailleurs un des premiers ouvrages de science-fiction, fragment d'une histoire future. C'est un philosophe ou sociologue qui, évidemment, dans l'opposition universelle, a beaucoup affaire à Hegel. Il a cherché à créer un concept d'opposition qui soit à la fois contre Hegel, mais en même temps tout contre, au sens où il jouxte Hegel, qu'il le touche de près. Et Gabriel Tarde, donc, dans ce fragment d'histoire, au pluriel, dans ces fragments d'histoire future, eh ben, il va être lu par Wells, qui écrit donc La machine à voyager dans le temps. Il va être lu par cet écrivain tout à fait emblématique qui va lui consacrer un article, un texte en anglais qui va donner au fond à la science-fiction une certaine orientation liée à une forme de temporalité paradoxale. C'est un temps qui ne... La machine à voyager dans le temps, c'est un peu ça, c'est une forme de stéréoscopie temporelle où ce sont des fragments de temps qui ne s'enchaînent plus de manière chronologique. C'est un temps qui n'est plus chronologique. C'est un temps qui
qu'on peut un peu à l'image peut-être du fleuve. C'est le fleuve qui sert traditionnellement à illustrer la question du temps, le cours du temps, d'un mot en aval qui, dans le sens, est celui de la successivité, d'un écoulement. On parle de la fuite, hein, la fuite du temps, qui est évidemment irréversible. Or, il se trouve que, en réalité, lorsqu'on envisage le fleuve dans toute sa profondeur, on se rend compte qu'il y a non seulement des turbulences, mais il y a des minces contre-filets qui remontent d'aval en amont, à savoir par conséquent que le temps n'est pas juste un cours qui serait orienté de manière chronologique, mais au contraire c'est un cours qui flue en tous sens, qui bifurque et qui est animé de turbulences. Et si je dis ça, c'est précisément parce que on a chez dans cette idée de voyager dans le temps, la possibilité, précisément, de l'envisager de manière qui soit réversible. On est dans un temps qui ne s'ordonne plus selon la catégorie de la causalité, sachant que la cause, généralement, elle est antérieure à l'effet. La cause est ce qui existe avant l'effet et va déterminer l'effet comme un avenir possible. Là, non, on est dans un schéma chez Wells qui va complètement faire bifurquer le temps dans toutes les directions, puisqu'on pourra voyager avec la machine aussi bien en amont qu'en aval, dans une espèce de figure qui est une figure de ce que Hegel qualifierait de savoir absolu. Le savoir absolu chez Hegel, c'est précisément ce moment où le temps va pouvoir se parcourir en d'autres sens que le sens de la chronologie. Et donc on a ça dans toute l'histoire de la science-fiction, qui va cette temporalité multiple qui va animer toutes les grandes œuvres, et en particulier sans doute le texte le plus décisif pour l'histoire de la science-fiction dans les années 40, c'est le texte donc qui s'inscrit dans cette tradition-là, qui s'inscrit dans cette tradition hegelienne, c'est le texte de Van Vogt. Le cycle du non-a. Le cycle du non-a, c'est précisément un récit qui est traduit d'ailleurs par Boris Vian, où on va retrouver chez Boris Vian, c'est dans l'écume des jours, on va retrouver chez Boris Vian cette forme d'absurdité de situation qui déborde partout tout ce qui est prévisible, qui déborde partout tout chemin balisé par des règles. Et donc c'est un récit, enfin, il y a une narratologie, une narration quand même qui est particulière au récit de Vian, mais qui à mon sens est essentiellement à l'œuvre dans les ouvrages de science-fiction. Je veux dire que les grands auteurs de science-fiction épousent cette contradiction, ce paradoxe, ces oppositions temporelles à travers le récit, à travers leur mode d'écriture. Je crois qu'il y a en effet des innovations stylistiques, des innovations narratives que quelqu'un comme Van Vogt justement cherche à travailler, à pousser au plus loin dans une idée qui est une idée de logique pure. Lewis Carroll aussi, du reste, était un logicien. Van Vogt est une espèce de logicien qui vit la crise, une crise du 19e, enfin, qui commence avec Hegel, justement, la logique de Hegel, et qui va traverser la fin du 19e siècle jusque vers Russell. Russell qui, effectivement, va faire basculer complètement toute la logique binaire en direction de quelque chose qui est tout à fait complexe, évidemment, mais où Aristote est remis en question. Alors, Aristote, c'est quoi? C'est justement A. Dans cet ouvrage, le cycle du non-A, A, c'est Aristote. Il s'agit donc ici d'un récit qui ne soit pas aristotélicien. Je trouve que, bon, Aristote est l'auteur d'une poétique, d'une part, qui cherche à envisager la tragédie comme un récit capable d'organiser les événements selon un cours réglé par la similitude, par la mimésis, dit-il, par l'imitation. C'est-à-dire que
un récit tragique est soumis à des règles, à des unités, des règles d'unité. Il y a des unités d'action, il y a des unités de lieu, des unités de temps, et qui font que, évidemment, on ne pourrait pas imaginer que la poétique d'Aristote soit simplement un ensemble hétérogène d'événements qui ne seraient pas liés par quelque chose qui relèverait ce qu'il appelle le destin peut-être, mais qui relève une forme de dramatisation en tout cas, où tout s'ordonne selon des règles, une succession temporelle qui relève d'une cohérence et qui permet à celui qui assiste au spectacle tragique d'éprouver des formes d'identification possibles et d'éprouver en même temps ce qu'Aristote appelle une catharsis, c'est-à-dire la possibilité de purger ses passions et ses craintes, ses terreurs, sa violence également, à travers une identification possible, à travers une identification possible à un personnage qui est suivi de façon organique par le récit aristotélicien. Alors, il se trouve que Van Gogh, lui, le problème de cet ouvrage-là, c'est que le héros, si je puis dire, de ce récit-là, ne sait pas qui il est. On est pris dans une identité multiple, avec donc un personnage qui oublie ou qui se rappelle d'une certaine manière des tranches de vie et qui va se rendre compte que, par exemple, celle qu'il pensait être son épouse n'est pas son épouse, que ça n'a été jamais rien d'autre qu'un récit, comme nous-mêmes nous avons été racontés par une histoire familiale. Enfin, personne n'a assisté à sa naissance, enfin, nous ne sommes pas le spectateur de notre propre naissance. Il y a un discours évidemment qui accompagne notre propre biographie personnelle, ce sont les parents qui nous racontent, mais parfois d'autres instances que les instances parentales. Et donc, dans ce récit, le cycle du A, on est en face de quelqu'un qui va perdre complètement son identité et qui va rentrer précisément dans quelque chose qui ne relève plus de la logique qu'on appelle la logique, le principe de contradiction. Le héros de ce récit-là, c'est quelqu'un qui est à la fois A et non A. C'est quelqu'un qui est à la fois lui-même et un autre. C'est quelqu'un qui se découvre, qui meurt dans un monde et qui va renaître dans un autre monde en ayant le souvenir de tout ce qu'il aura vécu au préalable dans le premier monde, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement intriguant et qui renvoie aussi à une façon d'écrire qui est assez brutale, avec des éléments de texte qui se heurtent les uns aux autres. Enfin bon. Et donc on va retrouver évidemment toute cette mise en intrigue plurielle, ce plurivers si je puis dire, on va le retrouver chez tous les grands auteurs de science-fiction et qui s'en revendiquent de façon essentiel. Je pense notamment à Philippe K. Dick. Philippe K. Dick, lui, c'est évidemment quelqu'un qui aura lu, donc, le cycle du noir et qui aura, à un moment donné, eu le sentiment d'être un personnage, lui-même un personnage du cycle du A, un personnage de cet auteur nommé Van Vogt. Alors oui, en effet, on a chez Philippe K. Dick cette espèce de plongée dans un monde où plus rien ne va de soi. Alors, à un moment donné, il fait nuit, il va dans sa salle de bain, et il veut allumer la lumière. Il veut allumer une lumière il veut tirer le cordon. Or, il se trouve que sa salle de bain n'a pas de cordon. C'est pas une lampe à cordon, mais c'est un interrupteur. Et donc, cette habitude de tirer le cordon, c'était inscrit dans son schéma sensorimoteur. Ça n'est pas juste quelque chose qui relèverait d'un geste non dominé, non contrôlé. Ça apparaissait, a dit, comme une évidence de tirer le cordon. Et donc, du coup,
il envisage, dit-il, cette absence de cordon comme un événement tout à fait paradoxal qui va donner lieu chez lui à un roman qui s'appelle Le Temps désarticulé. Le Temps désarticulé, en reprenant le titre de Shakespeare, The Time Out of John, le temps sorti de ses gonds, la traduction réelle de l'ouvrage, ce serait Le Temps sorti de ses gonds, qui a donné lieu à un film également, avec un acteur qui se nomme, je crois, Jim Carrey. Et le film, c'est, je ne sais plus très bien, toujours est-il que c'est un film qui est entièrement organisé autour du bug. Le bug, on vit dans un monde où soudainement un projecteur tombe dans le jardin de... C'était le Truman Show. Voilà, c'est ça. Le Truman Show. Et donc, c'est ce bug, cet ensemble de bugs qui vont forcer finalement... Qui vont forcer le personnage de ce récit à entrer dans une forme de pensée qui est une forme de pensée apparemment paranoïaque, mais qui s'avère qui s'avérera tout à fait réelle, si je puis dire, en posant la question de ce qu'est la vérité. On voit bien à partir de là que la vérité n'est pas simplement de l'ordre de ce qui relèverait d'une logique unitaire, mais qu'il y a des logiques sous-jacentes, qui vous poussent vers des mondes qui ne sont pas ceux auxquels vous vous attendiez. Il se trouve que Philippe K. Dick, cette histoire de cordon, imaginait précisément qu'il a habité sans doute. Enfin, ce cordon-là qui tirait dans sa salle de bain mais qui n'existait pas correspond à un monde dans lequel sa vie en tout cas était possible selon une autre articulation des événements qui constituent la trame temporelle selon laquelle il avait l'habitude de penser. Et donc il y a constamment chez Philippe K. Dick cette espèce d'oscillation entre des mondes, ces voies de passage, ces passerelles entre des mondes qui sont d'une certaine manière annoncés par des accidents, qui sont annoncés par quelque chose qu'Aristote oppose précisément à la substance, à l'être, des accidents qui nous entraînent vers des causalités étranges et qui nous entraînent vers des devenirs tout à fait extraordinaires. Et il se trouve que cette question du devenir, c'est un philosophe qui a pensé le devenir, c'est bien Hegel. Et en exergue de mon ouvrage sur la science-fiction, je cite précisément Philippe K. Dick qui dit la chose suivante. J'apprends ainsi pour ma plus grande joie qu'en majorité ce que j'ai vécu confirme la pensée de Hegel. Je suis donc hegelien, ce qui me convient très bien. C'est donc un extrait que j'ai trouvé dans le classeur numéro 26 de l'Exégèse et qui a été publié récemment au Nouveau Millénaire en deux volumes. Et donc là, on a une formule de Philippe K. Dick, effectivement, qui joue bien sûr à... Parce qu'il n'était pas philosophe, hein, mais qui joue à... comment, c'est pas une parodie, mais c'est une manière de construire une espèce de simulacre hegelien qui joue à la simulation de Hegel. Philippe K. Dick a été étudiant en philo, cela dit. Bon, je crois qu'il a quand même suivi un cursus, il a fait une première année de philo, mais il a surtout lu, il a pratiqué la philosophie dans le garage. Enfin, c'est quelqu'un qui... une philosophie de garage, c'est-à-dire aux États-Unis à l'époque, bon, c'était un moment où, en effet, on bricolait beaucoup de choses dans son garage. Et Philippe K. Dick, il y avait des encyclopédies, des tournevis aussi, des clés à molette, mais des textes philosophiques dont il pouvait arracher une page à droite et à gauche, et donc en faire une espèce de matériau, qu'il avait un plaisir à
entraîner vers des formations littéraires, évidemment, sans limite. Hein. Donc, quand il dit qu'il apprend qu'il est hegelien, je l'ai pris au sérieux, évidemment, mais dans le sérieux qui est le sérieux de Philippe K. Dick. Mais bon, cela dit, il se trouve que c'est tous les auteurs de science-fiction que j'ai croisés qui ont eu cette référence hegelienne, qui ont eu cette référence à Hegel, ce qui m'a amené à relire Hegel. J'avais déjà écrit un ouvrage sur Hegel, La phénomène de l'esprit, mais là, j'étais poussé par ce besoin étrange et qui allait à l'encontre de moi-même, un peu comme Philippe K. Dick qui tire le cordon pour découvrir dans sa salle de bain que la lumière s'allume avec un interrupteur et qu'au fond il était amené par cet accident vers des pensées qu'il avait nécessairement envie de fuir, qui pensaient tout à fait étranges. Et donc j'étais moi-même au fond amené à lire Hegel et à le réintroduire de façon plus poussée dans les textes, les différents textes de science-fiction que j'ai lus. Et du coup, cet ouvrage sur la science-fiction est en même temps une espèce de réécriture de la logique de Hegel. Mais comme dit, ça a été à revers, à contre-courant, à contre-sens, et sans doute, il y a eu des moments où cet ouvrage, je me suis dit que je n'allais pas l'achever, je n'allais pas le terminer, je n'allais pas le finir, et donc il m'a accompagné pendant 3-4 ans, peut-être plus, même je ne sais plus exactement comment ça s'est constitué. Il y a eu un préalable, des premiers textes qui avaient été écrits simplement dans la perspective d'articles que finalement je n'avais pas donné, que j'avais gardé pour moi, et qui de fil en aiguille ont donné lieu à ce travail plus en profondeur, qui consistait à relire la logique de Hegel, un peu, en effet, dans le sens où tu disais que Deleuze ayant écrit sur le cinéma, il y a eu ce désir, en tout cas, et ce désir de, non pas de singer Deleuze, mais de trouver dans quelque chose qui ne soit pas philosophique, c'est-à-dire dans une forme non philosophique, une matière à penser. Et non seulement une matière à penser, mais une matière à réinvestir des images, non pas des images en mouvement comme au cinéma, non pas des images temps comme c'était le cas de Deleuze dans sa manière de lire le cinéma, mais de ce que j'appellerais des images virtuelles. Des images virtuelles qui se traversent entièrement d'après des formes de processus, des formes processuelles tout à fait étonnantes et qui font le cœur de la science-fiction. Alors justement, sur ce rapport avec l'image virtuelle, pourquoi justement le questionnement de l'image virtuelle se compose chez toi autour de Hegel, alors que par exemple, lorsqu'on regarde le film Matrix, il y a eu énormément de développement autour de Matrix et le lien avec la caverne de Platon, ce rapport entre justement ces ombres, ces simulacres. Et d'ailleurs, le personnage de Neo se saisit d'un livre au début, un faux livre d'ailleurs, qui est Simulacre et simulation de Baudrillard. Comment justement cette science de la logique se compose dans la science-fiction, puisque d'ailleurs tu organises le livre non pas autour d'une chronologie de la science-fiction ou d'une sorte de réorganisation, mais d'une construction à partir des grands chapitres de la science de la logique elle-même, que sont l'être, l'essence et le concept. Donc pourquoi justement Hegel a ce rapport à la science-fiction ou l'inverse plus qu'un autre penseur pour toi? Et surtout, question qui se relie à celle-là, c'est que tu montres que justement, la science-fiction ne fait pas partie de l'histoire de la philosophie. En revanche, Hegel semble faire partie de la science-fiction. On le retrouve à différents moments. Moi, je pense aussi à un texte, à une nouvelle de Ray Bradbury dans les Perséides, où il y a ce rapport à Hegel. Donc justement, comment s'opère ce que tu appelles ce forçage, et comment dans les concepts, dans les catégories de Hegel, dans la logique de Hegel, la science-fiction trouve justement sa logique, sa composition?
Bon, c'est vrai que d'une certaine manière, on aurait pu imaginer une histoire de la science-fiction qui passerait par Deleuze. On me l'a dit d'ailleurs. Des amis à moi ont pensé que ce serait beaucoup plus naturel. Bon, il se trouve néanmoins que les auteurs de science-fiction n'ont pas lu Deleuze. Je veux dire par là que Clarke, Baxter, Scott, Orson Scott Card, etc., ne pouvaient, ou Van Noort, n'ont pas lu Deleuze. Par contre, je sais que Asimov, ici présent, Asimov a eu un ami avec qui il échangeait de façon suivi, nourri, ses propres préoccupations philosophiques, ses idées philosophiques. Un ami qui, un philosophe allemand, qui a fait une thèse sur Hegel. Il a fait une thèse sur Hegel, sur la logique de Hegel. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a écrit des textes sur la cybernétique. C'est très étrange parce que, en France, on a également eu un philosophe qui a écrit des textes sur la cybernétique, qu'on ne connaît pas très bien les textes sur la cybernétique en question, puisqu'ils n'ont pas été vraiment publiés, ces textes-là. Il s'agit de Hippolyte. Jean Hippolyte n'est rien d'autre que le traducteur en France de Hegel. Il a traduit la phénoménologie de l'esprit de Hegel, et il a en même temps... réaliser un certain nombre de textes sur Mallarmé, notamment sur Igiture, en ayant toujours en arrière-fond cette puissance de pensée qui est propre à Hegel. Alors, oui, donc, pourquoi Hegel et pas Schelling? Bon, ça aurait pu être, effectivement, il y a chez Schelling une préoccupation cosmologique, on trouve chez lui, c'est un contemporain de Hegel, on trouve chez lui toute une série de textes sur les âges du monde, une espèce de saga tout à fait extraordinaire de l'ontologie, une saga ontologique, mais il y a aussi chez lui un certain nombre de préoccupations autour de la question de la mythologie, une philosophie de la mythologie. Et donc, il me semble que, en fait, Hegel, c'est une pensée qui s'organise autour du cycle. Enfin, la question du cycle chez Hegel, elle est dominante, elle est prédominante. C'est une pensée encyclopédique. Dans l'encyclopédie, vous avez le cycle, hein, c'est une pensée qui a réalisé du cycle et qui fonctionne complètement toujours sur le mode du cercle. Or, le space opéra de Asimov, pour autant qu'il s'agisse d'un opéra, ou en tout cas d'une opération, c'est un cycle. Il y a chez Asimov le cycle donc des fondations, mais également le cycle des robots. Et la manière dont il va articuler, je ne pense pas qu'on aura le temps de rentrer vraiment dans la manière dont il articule le cycle de fondations et le cycle des robots. C'est tout à fait extraordinaire. Mais toujours est-il que cette question de la fondation, c'est une question essentiellement hegelienne. C'est le philosophe qui va vraiment organiser un système et réaliser un certain nombre de cercles dans le cercle, comme il dit. C'est Hegel, sur le mode donc d'un cycle, qui a toujours à voir avec une fondation qui bifurque et qui dérive d'une manière spiralaire. Donc c'est au fond quelque chose qui, Hegel dit, c'est que son système est un cercle de cercles, mais on pourrait penser évidemment que c'est un cercle de cercles dans une forme comme une espèce de roulette, vous voyez, qui tournerait spiralaire en fait. Et donc, il y a, oui, alors cette question chez Asimov, c'est quoi Asimov, fondation, c'est la nécessité de porter avec soi, donc le début de l'ouvrage, c'est quoi? On va fuir Trentor, qui est le centre galactique, pour
parce que bon, on sait très bien que la une fin des temps qui s'annonce, on sait très bien que l'Empire galactique est sur le point de s'effondrer, la question du fondement, dans son effondrement. Et donc, certains philosophes vont constituer une archive, l'archive de Trantor, et vont la déménager sur une planète extrêmement éloignée de la planète mère, de telle sorte qu'elle ne puisse plus être sous l'influence du centre galactique et qu'elle ne soit plus, happée par cette histoire qui va au gouffre. Et donc, on est effectivement ici dans cette forme hegelienne de la logique qui se veut comme un résumé de l'histoire humaine. Si on a envoyé Beethoven, je crois que c'était Voyageur, mais c'était. Il y a également eu quelques capsules, quelques satellites ou capsules spatiales, je ne sais pas comment dire, pionnières en l'occurrence, où étaient mises en perspective l'homme, il y a un dessin de l'homme avec ses mensurations, ses dimensions, et était joint à cette expédition, était joint un disque en or avec un certain nombre d'informations, une encyclopédie si je puis dire, et la cinquième symphonie de Beethoven. Et donc mon hypothèse c'était qu'au fond la logique de Hegel aurait trouvé sa place à bord de la navette pionnier ou voyageur. Elle aurait trouvé place à bord dans la mesure où elle est précisément la récapitulation de toute l'histoire humaine à travers la phénoménologie de l'esprit, mais en même temps, elle est la récapitulation aussi de la puissance de pensée, de la logique dans ce qu'elle a de plus fécond, dans ce qu'elle a de plus à la fois systématique, mais en même temps de plus ouvert. De plus à même d'être toujours de toujours rebondir sur un cercle qui va contrarier l'ensemble de ceux qui étaient adoptés. Une pensée en devenir par conséquent. Et donc oui, l'œuvre d'Asimov elle est structurée en effet par cette espèce de tension entre être, néant, entre être, essence, entre être, devenir, dont le concept n'est réussi jamais vraiment effectivement à prendre, au sens où on voit très bien qu'entre le début du récit d'Asimov et qui imaginait donc un suite, une circularité, qui pensait que ça allait se boucler et que, en effet, à travers cette encyclopédie, le centre galactique allait pouvoir se reconstituer, mais il n'en est rien en réalité. Entre le début et la fin, rien ne s'articule, début et fin sont pris dans une forme de puissance qui va, comme en mathématiques on parlera d'une puissance, d'un exposant qui va au fond démultiplier tout le problème et qui va entraîner ce cycle à ne pas se clore sur soi. Et donc oui, c'est une figure hegelienne de quelque chose que... Adorno, un philosophe allemand, avait, lui, considéré comme étant une dialectique négative. Négative pourquoi ? Parce que il y a une tension pour Hegel, le monde, toute chose est prise dans une contradiction. Il prend l'exemple d'un aimant. Déjà, dans un aimant, vous avez en effet des polarités négatives et positives. Et on pourrait s'imaginer que ça n'est là qu'une abstraction, en fait, mais il n'en est rien. Hegel montre très bien que, bon, c'est pas extraordinaire évidemment comme raisonnement, mais il montre très bien que en brisant l'aimant en deux ou en trois, les polarités vont se reconstituer sur chaque portion du réel considéré. Et que par conséquent, cette tension, elle est interne à la chose elle-même. Et Hegel dira au fond que la pensée, elle est déjà dans les choses. Que le jugement, il est déjà dans les choses, et que ce sont les choses elles-mêmes. Ce n'est pas simplement moi qui associe, qui compare et qui va organiser entre elles des éléments du réel. Ce sont les éléments du réel eux-mêmes qui se repoussent selon des polarités qui sont négatives ou qui s'attirent, ou dans des formes de systole et de diastole du vivant, tout à fait saisissantes.
et qui renvoie à toute une philosophie de la nature, à toute une philosophie de la vie, que précisément quelqu'un comme Wilson, dans Bios, un ouvrage que je vous conseille vivement, va dramatiser de façon extraordinaire. Justement, tu parles de ce rapport circulaire dans la philosophie de Hegel, et je peux m'empêcher de penser à l'Odyssée d'Ulysse, de cette sorte d'Odyssée du concept chez Hegel, qui comme ça part d'un point pour y revenir, changer, transformer par le voyage. Qu'est-ce qui, dans le rapport qu'entretient la philosophie avec la science-fiction, justement, se rapprocherait d'une forme de rapport à la mythologie? Est-ce qu'il y a une forme de rapport entre science-fiction et philosophie qu'entretenait à une période la philosophie et la mythologie? Je pense aux écrits, aux différents mythes qu'on retrouve dès la Grèce antique, mais même des différents essais de mythologie qu'on retrouve par la suite. Est-ce qu'il y a ce rapport-là? Qu'est-ce qui le différencie? Et qu'est-ce qui justement différencie aussi, dans un plus grand sens, le fait que le voyage dans un autre monde se fasse dans la science-fiction, mais pourquoi pas tout simplement dans la littérature? Est-ce que lorsqu'on rencontre Madame Bovary, est-ce que lorsqu'on rencontre des personnages fictifs, est-ce qu'on ne voyage pas aussi finalement à la rencontre d'autres mondes qu'un auteur vient fonder, créer? Oui, oui, bien sûr, sauf que la science-fiction, c'est vraiment la figure de l'autre. C'est vraiment l'autre monde. C'est le monde tel que on ne pourrait même pas souhaiter, au fond, vouloir le rencontrer. Enfin, ce sont des voyages qui sont extrêmes. Il s'agit d'une expérience radicale, une expérience de ce que personne n'expérimente, une expérience de l'inexpérimenté, de l'inexpérimentable. C'est une littérature qui va à l'extrême. On voit bien comment, par exemple, on retrouve cette aliénation, ce concept hegelien, on le retrouve, par exemple, dans la figure de la tétralogie d'Alien. Enfin, l'Alien étant non pas simplement un récit qui serait de l'ordre de la fable. La fable, elle est morale. Vous lisez La Fontaine, évidemment, toute fable se noue autour d'une problématique qui a destination morale. Elle s'achève comme une leçon de morale, je dirais. Or, il se trouve que la science-fiction elle joue par-delà bien le mal. Elle est dans des situations tellement distantes par rapport à notre sens commun. Elle est dans des situations tellement extrêmes par rapport à ce que les mœurs tolèrent. Elle est tellement en dehors de toute limite, au-delà de toute limite, ou même dans la limite, qu'elle transgresse toutes les limites. Et que, du coup, on va avoir, en effet, des thématiques extrêmement violentes aussi, pour la raison, qui vont être aborder la question de l'hybridation, la question de la sexualité dans ses travers les plus étranges, sachant que lorsque sur un même espace cohabitent des espèces différentes, il va y avoir échange génétique. Il va y avoir au moins une tentation, une intrusion de alien, c'est ça, hein, je veux dire, bon, il va y avoir dans un vaisseau spatial, l'alien va prendre le corps humain comme le champ même possible de sa reproduction. Hein, c'est quelque chose que la biologie a toujours un peu Darwin déjà forcément rencontré, puisque toute l'évolution des espèces, elle est liée à des transgressions de ce genre. L'évolution des espèces, elle est une question qui se heurte à des espèces différentes dans un milieu relativement restreint, où vous allez avoir des bricolages qui vont se mettre en œuvre. Et donc, forcément, dans la science-fiction, ce type de motif va apparaître. Alors, ce n'est pas la question du mulet. Hein. Vous savez, le mulet, c'est le croisement de l'âne et du cheval. Ce n'est pas ça. Dans la science-fiction, ce sont des croisements beaucoup plus redoutables. Ce sont des formes de sexualité qui ne pourraient pas être interrogées dans des récits
qui ont trait à une société qui serait davantage réaliste. Donc on est en effet dans la mythologie. La mythologie fait la monstruosité de corps qui se rencontrent, qui bricolent des relations qui sont des relations monstrueuses, au sens où vous allez avoir en effet un corps d'homme et de cheval, ou un corps de taureau et un buste d'homme, le centaure, des êtres qui sont des êtres tout à fait issus de quelque chose que la morale ne peut pas envisager. Donc je disais, la fable, elle est du côté de la morale. La fable sera toujours prescriptive. La fiction, elle est plutôt descriptive. Elle est descriptive de tout ce qui est accidentel, elle est descriptive de tout ce qui bifurque un moment, tout ce qui transgresse, de tout ce qui relèverait de sexualités qui sont contestées, qui sont punies, qui sont réglementées par des lois extrêmement strictes, mais qui ne valent plus dans un espace. Où on est ailleurs, qui ne valent plus dans l'altérité. Je disais donc, ce sont des textes qui vont à la rencontre de l'autre, de cet autre qui ne nous ressemble, qui ne nous ressemblera jamais. Ce n'est pas l'autre qui peut être lu par le même. Ce n'est pas l'autre qui peut être ramené au même. Ce n'est pas une façon de, d'installer l'étranger en territoire d'accueil. Avec l'idée que l'étranger, au fond, va prendre les normes d'identification qui sont les nôtres. C'est pas du tout ça. Là, on est plutôt pris dans un devenir où celui qui était le même devient autre. Où celui qui était, et c'est ça le cycle du nom A, celui qui était un personnage qui était assis dans son identité, dans un certain nombre de certitudes, découvre qu'il n'est pas du tout ça, qu'il est embarqué dans une réelle aventure. Alors on peut appeler ça en effet de la mythologie. Je crois que Hegel a été extrêmement favorable à une philosophie de la mythologie. Il a écrit un texte sur un collègue universitaire de son temps qui s'est exercé à la mythologie et il a essayé de montrer comment philosophiquement il y avait un intérêt à découvrir dans la mythologie des espèces de modules conceptuels, parce que bon, c'est vrai que tous ces vaisseaux spatiaux, pour parler de quelque chose qui n'est pas hegelien, puisque Hegel ne connaissait pas ces vaisseaux-là, mais on pourrait donner le nom de la logique de Hegel à un vaisseau spatial, ce ne serait pas gênant, ce serait autre chose. Toujours est-il que Hegel savait évidemment très bien que les concepts, et Nietzsche l'a compris aussi plus tard, les concepts, on pouvait les figurer à travers des personnages. On a par exemple chez Nietzsche Apollon, Dionysos. Et il se trouve que Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, on a aussi ces personnages-là qui sont comme des modules lunaires qui permettent en quelque sorte de donner un concept, un corps, de donner un concept, un espace dramaturgique qui permette à un concept soudainement de devenir. De devenir sensible pour nous, autrement que sur un mode philosophique. Et bon, Schelling est lui-même, comme je le disais tout à l'heure, qui a été condisciple de Hegel, qui a, lui, puissamment réfléchi sur la question de la mythologie. Donc, oui, également. Alors, pour répondre à ta question, pour moi, en effet, la science-fiction contemporaine est sans doute sur ce seuil entre littérature, philosophie, mythologie et. Expérimente, oui, une mythologie contemporaine, une mythologie qui serait une mythologie des temps, non pas postmoderne, mais des temps contemporains, sachant que dans le mot contemporain, vous avez bien l'idée de temporalité, des temps qui se mettent ensemble, des temps qui se placent sur la même strate, des temps qui relèveraient. De ce que j'évoquais en partant, enfin tout au début là, de notre entretien, lorsque je me référais à cette stéréoscopie, à cette historioscopie que les auteurs de science-fiction du 19e siècle ont développée, notamment Mitchell, mais également peut-être Renouvier, qui est un philosophe français du 19e siècle, qui est l'auteur d'une uchronie. Alors l'uchronie, c'est tout le temps ce que l'utopie est à l'espace. L'utopie, c'est ce qui n'a pas de lieu. L'uchronie, ce sont des fragments de temps qui vont s'articuler, dans l'esprit de Renouvier en tout cas, qui vont s'articuler de manière qui relève d'une toute nouvelle logique. Et
Alors bon, je disais qu'en effet, une mythologie contemporaine, que la contemporanéité, c'est cette strate sur laquelle, en effet, nous sommes en train, oui, de resituer des héros, que ça peut être des héros, les héros de la... l'héros de la bande dessinée américaine, Spider-Man, pourquoi pas, mais on voit quand même cette exigence au cinéma, cette exigence dans la littérature d'une forme de mythe, d'une forme de récit où nous avons la possibilité, le besoin, le désir de dépasser ce qui constitue la normalité de notre temps écrasé. Sur justement ce rapport à ce que Hegel appelait le savoir absolu. Dans Fondation de Asimov, les personnages quittent la planète Trentor pour se diriger vers une autre planète et comme cela composer une encyclopédie qui rassemblerait tout le savoir humain. Et il y a même dans les différents films sur la science-fiction une sorte de désir à travers le robot, du robot qui sait tout, qui se corrige, qui se construit à partir d'un savoir qui est total. En ce sens, est-ce que le désir, ou du moins la pensée chez Hegel de ce savoir absolu, vient toujours essayer de se retrouver ou de se construire dans la science-fiction, dans cette volonté de composer une sorte de ce qu'appelait Marc Aliza dans Informatique céleste, une sorte d'informatique de l'esprit. Oui, c'est une question de support. Hegel a toujours été très attentif au support. Il est l'auteur d'une esthétique qui a donc été une des premières histoires de l'art qu'on connaisse, qui, à ce point-là, fasse un inventaire de toutes les formes de création de son temps, mais de son temps, oui, il a affronté la question du romantisme, par exemple. Et si Hegel devait vivre aujourd'hui, il est bien évident qu'il n'y avait aucune raison de supposer qu'il ait expulsé de son esthétique les créations contemporaines, puisqu'il ne l'a pas fait de son propre vivant et qu'il a été, en effet, dans cette capacité d'affronter les créations du passé, mais autant les créations de ses contemporains comme Goethe, etc. etc. Et donc, pour répondre à ta question, la question du support, Hegel s'est longuement interrogé sur la manière, sur la question de la substance. Quelle substance pourrait faire advenir un sujet? Quelle substance pourrait faire advenir une espèce de cogito qu'on retrouve? Tu parlais de la machine à l'instant, c'est vrai que eh bien, à un moment donné, dans le cycle des robots, chez Asimov, un robot qui très cartésien, qui va considérer que les hommes n'existent pas parce que ils sont absurdes et qu'ils n'ont que leur raisonnement est faillible. Il manque d'une perfection évidente, leur raisonnement n'est pas aussi parfait, n'est même pas aussi juste que la capacité qu'a un ordinateur de traiter un jeu d'échecs ou la capacité qu'a un ordinateur de réaliser des suites, des algorithmes dans une forme instantanée, dans une forme de temporalité pratiquement synchronique, si je puis dire, dans une synchronicité totale. Et donc il y a un robot qui va en effet considérer que l'homme est imparfait, qu'il n'existe pas et que seule la machine pense et il va formuler le cogito ergo sum, enfin, il va reprendre la formule cartésienne, je pense, donc je suis, et chercher à détruire l'homme. C'est ce que l'on a dans Alien Covenant, où David va considérer en effet qu'il est la figure de la perfection et que l'homme est imparfait et il va chercher à l'éliminer. Dans le dernier film de Ridley Scott, dans le dernier Alien en tout cas. Et donc, oui, pour répondre à ta question, ce qui est intéressant, c'est que c'est qu'au fond, Hegel a toujours été à la recherche pour son savoir absolu de quelque chose qui permettait de l'inscrire. Et il n'y avait que le papier à son époque. La science-fiction donne des modèles assez intéressants. Il y a, par exemple, dans le roman de Strauss, Charles Strauss, l'idée d'une espèce d'encyclopédie qui tiendrait sur un petit pavé en diamant,
d'une épaisseur peu importante, et dont, dont on serait, si vous voulez, et d'ailleurs il faut dire qu'actuellement existe, la Bible par exemple a été entièrement inscrite sur une pastille de cristal relativement mince, avec un certain nombre d'œuvres d'art, donc ça tient en un espace très 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 réduit. Et donc, c'est la question de la miniaturisation. Nous avons tous pensé que l'informatique allait nous amener vers des grosses machines. Lorsque, oui, dans les années 60, l'ordinateur, pour nous, performant, c'était le gros, le big, l'hyper-ordinateur, avec une puissance d'encombrement spatial extraordinaire, genre un immeuble. Or, il se trouve que on voit bien que l'informatique, ce sont maintenant de plus en plus des microprocesseurs, ce sont de plus en plus des supports extrêmement minces, et ici, dans ce roman, toute l'histoire de l'humanité, mais pas seulement l'histoire de l'humanité, toutes les histoires possibles, cette espèce de bibliothèque borgésienne de Babel, elle est inscrite à même le diamant, écrite sur les atomes du diamant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir affaire à des pages, on utilise l'atome comme un support pour l'écriture, et nous avons aujourd'hui effectivement réalisé des modèles d'écriture de ce genre, des supports de ce genre qui permettraient de donner à l'absolu une espèce de consistance, une espèce de consistance ontologique, si je puis dire. Oui, alors bon, ça me paraît en effet extrêmement intéressant de voir comment ce souci hegelien d'inscrire l'histoire sur des supports qui soient capables d'une forme d'éternité se trouve réinvesti dans les productions techniques extraordinaires, il faut bien reconnaître, des nanotechnologies et des technologies contemporaines dont on peut se méfier à juste titre, mais dont il me semble qu'au fond, nous n'avons pas du tout exploré les potentialités, étant essentiellement prisonniers, nous tous, d'un modèle énergétique lié au pétrole, donc une matière fiscalisable, une matière extrêmement politiquement, disons, rentable, et que tous les modèles politiques ont adopté comme un mode d'énergie susceptible de rentrer dans un programme de recherche et donc dans des secteurs d'activité qui sont cautionnés par des bourses, etc. etc. Il se trouve qu'au fond, nous n'avons pas du tout... Lorsqu'on parle de technique, au fond, ce qu'on peut dire, c'est que nous manquons de technique. L'homme n'a exploré que très peu de modèles techniques et que notre avenir est dans la technologie. C'est pas du tout ailleurs qu'il faut imaginer que les choses puissent trouver un destin qui soit viable. Voilà, donc, bon, oui, le problème de la science-fiction se pose la question de savoir comment quitter éventuellement, c'est vrai, cette planète, pour peut-être rencontrer d'autres formes d'existence possible, d'autres modes d'existence possible. Ça, évidemment, c'est pas une question que Hegel a posée. Le savoir absolu pour Hegel, c'est une éternité qui passe non pas par les astres, c'est une éternité qui passe par une écriture, par l'inscription de certaines traces dans des codes, dans des codages qu'il nomme le concept. Et c'est ça la vie de l'esprit. Ce qui intéresse Hegel, c'est la vie de l'esprit et la manière dont l'esprit rencontre la matière selon des formes. Certes, tout à fait compatible avec la technique, et je crois que Hegel a beaucoup réfléchi, mine de rien, même dans la phénoménologie de l'esprit, sur cette rencontre de la matière et de l'esprit. Ben, ce sera des derniers mots avant de donner la parole à l'Assemblée, si des questions se posent autour de notre discussion et autour du livre. Oui. Je peux passer le... Oui. Alors, moi, si je vous ai lu, c'est surtout à cause de Philippe Cadic, comme vous cachez. Et en fait, je m'étais posé une question, parce que quand on lit Philippe Cadic, quand on lit ses romans, on s'en rend pas forcément compte. Mais lorsqu'on s'intéresse un peu plus à sa vie, on s'intéresse un peu plus à son exégèse, ou conférences qu'il a fait, comme il y a un livre qui recueille ses conférences qui s'appelle « Si ce monde vous déplaît »,
on se rend compte qu'en fait, la pensée de Philip K. Dick, elle dépasse clairement le champ de la philosophie pour aller vers une sorte de mystique, vers une expérience, des expériences assez extraordinaires, assez incroyables, où il nous parle à un moment de même de temps orthogonal, comme quoi il y aurait d'autres temps qui seraient superposés, il aurait vécu d'autres vies parallèles. Et je voudrais savoir comment, en tant que philosophe, on considère cet aspect-là de Philip K. Dick, finalement, qui n'est pas dissociable de son œuvre. Oui, en effet, il y a eu chez, je crois que c'est aux éditions de l'Éclat qu'a été publié le texte que vous évoquiez à l'instant. C'est vrai qu'il y a il y a à la fois un usage, je le disais tout à l'heure, de la philosophie qui relève un peu du simulacre dans la manière dont Dick savait jouer avec des matériaux pour les intégrer dans un processus littéraire, mais il est vrai en même temps que c'était toujours extrêmement étonnant et très très... Philip K. Dick est incontestablement aujourd'hui reconnu comme un très grand auteur. C'est quelqu'un qui est entré dans l'éternité de la littérature, si je puis dire, en tout cas s'inscrit dans l'histoire de la littérature comme une figure. Et donc c'est une figure, comme toute figure, elle dépasse, elle déborde tous les cadres, elle est toujours excédentaire par rapport à tout cadre, elle est cette figure du sublime ou même du colosse, du colossal que l'artiste ne pourra jamais inscrire dans la bordure, dans la délimitation de son champ. Que ce soit un champ photographique ou que ce soit le cadre d'une œuvre picturale, je veux dire, il est une espèce de Christ qu'on ne peut pas inscrire dans. Il est trop grand, trop autre. Enfin, voilà. Donc il y a cette figure christique, en effet, chez Philip K. Dick, qui se veut, d'une certaine manière, un Christ. Il se veut, d'une certaine manière, oui, une forme de figure christique, à l'image de beaucoup, cela dit, de personnages de la science-fiction. Enfin, je crois que on a ça. Blade Runner, il y a quelque chose de cet ordre-là également. Mais même dans Matrix, je pense que Neo est également. C'est une figure qui est lui-même entre quelque chose qui relèverait d'un logiciel ou d'un algorithme et qui relèverait d'un corps organique. Il est une espèce de jointure entre le silicium et le carbone. Il est ce qui va réconcilier le règne de l'homme organique et de la machine. C'est ça le dernier volet de Matrix. Et donc oui, je crois qu'en effet, ce sont là des formes de pensée qui, en tant que concept, précisément dépasse toujours ce que l'entendement voudrait cloisonner, et Hegel lui-même disait que l'entendement, c'est-à-dire notre faculté d'entendre, elle a toujours besoin de paramétrer, paramétrer les champs, de créer des dichotomies, de saucissonner les choses selon des étalages et de poser en dehors des processus qui sont des processus vivants. De les poser l'un en dehors de l'autre. Et donc, en fait, sa logique, qui est, pour répondre aussi à la question que tu posais avant, ce qui est extraordinaire avec sa logique, c'est que nous, vous, moi, on est obligés de la lire de façon successive. Il y a trois masses rédactionnelles, si je puis dire, plutôt que des chapitres, trois masses rédactionnelles, donc il y a l'être, l'essence, le concept, et on a le sentiment qu'il faut lire ça à la suite. Mais ce n'est pas vrai du tout. Il faudrait être un dieu pour lire le texte, c'est-à-dire que Hegel a pensé ça de façon simultanée, c'est-à-dire que c'est comme des couches superposées en quadrichromie, par exemple, c'est comme des couches, quand on lit la première masse rédactionnelle, on va découvrir dans la deuxième masse rédactionnelle exactement les mêmes motifs. Dans la troisième masse rédactionnelle, au niveau du concept, tout revient exact, tous les concepts reviennent, mais ils se superposent, il faudrait le lire dans l'instant, quoi. Il faudrait être un dieu pour le lire. Et donc ça demande quelque chose de tout à fait impossible, et je pense que Philip K. Dick aurait été le parfait lecteur de Hegel de ce point de vue-là. Je pense qu'il était assez fou pour le faire. Vous parliez avant, concernant Hegel, le fait que aussi dans les romans de science-fiction, c'est donner au concept un corps, un objet sensible. Et Deleuze, dans l'ABCDR, disait que ce qui est formidable avec la grande littérature,
c'est que les grands personnages sont avant tout des grands penseurs. Vous parlez notamment du Capitaine Ahab ou d'autres. Oui. Est-ce que vous auriez des exemples dans les grands romans de science-fiction de grands penseurs, de grands personnages qui soient des grands penseurs? Oui, alors il y a vraiment, je ne sais pas si j'ai eu le temps, dans... c'est vraiment un truc extraordinaire, c'est le bouquin Taux Zéro de Poul Anderson, si je l'ai oublié, c'est vraiment un lapsus, enfin, un acte manqué, on dira. C'est un acte manqué, donc oui, il doit être quelque part dans mon sac. Enfin bon, toujours est-il que dans ces romans-là, on est dans une espèce de corps qui devient esprit, on est dans une espèce d'incarnation de l'esprit dans la matière, et une espèce de, comment dire, de mais ce serait trop compliqué à expliquer, une articulation du fini et de l'infini. On voyage à vitesse infinie, et comme on voyage à vitesse infinie, la temporalité des passagers à bord ne correspond pas à la temporalité de l'univers lui-même. La temporalité et les températures aussi, d'ailleurs, contre lesquelles il faut trouver des modèles, parce que c'est des chaleurs épouvantables qui sont générées, etc., par la machine. Donc, oui, on est dans une temporalité, vous et moi, dans une vie finie, on aurait le temps de traverser l'infini. Pendant que une seconde passe sur ma montre, le temps extérieur dans l'infini, lorsqu'on approche de la vitesse, des siècles. Donc, le taux zéro, c'est l'idée de quelque chose, en effet, de ce genre-là, c'est-à-dire cette articulation du fini et de l'infini que Hegel recherchait, du reste, dans la logique, et qui vous dit qu'une vie finie, elle est possible. Dans le fini, il habite l'infini. Entre 0 et 1, il y a une infinité de stations. Vous pouvez diviser un demi plus un quart, plus un huitième, plus un seizième, plus un sur n. Je veux dire, on n'arrivera jamais à clore. Et pourtant, c'est du fini. Nous vivons dans du fini, nous vivons dans des formes finies infiniment denses. C'est étrange tout ça. Et donc, oui, alors la science-fiction, elle est dans des modèles où le personnage, et donc vous parlez de d'Ahab, j'ai parlé de Taux Zéro de Anderson, précisément parce que, à un moment donné de ce roman, il se compare, la référence qu'il va adopter, c'est celle de Melville, de Moby Dick, le capitaine Ahab. Il y a dans le lieu où il dîne ensemble, où il déjeune, il y a un portrait de Melville et un poster de Moby Dick, du capitaine Ahab. Parce que, en effet, dans l'infini, dans le voyage intersidéral, nous sommes repris dans la littérature, dans les récits de voyage. On est, en effet, dans cet océan qui s'ouvre, mais qui s'ouvre non pas vers quelque chose qui ressemblera à ce que nous connaissons déjà. Ce n'est pas seulement l'Amérique qui sera une île, comme pour Robinson, qui va ressembler au monde déjà connu. Non, là c'est une ouverture c'est une ouverture à l'absolument autre, c'est une ouverture à un monde où l'île que je vais rencontrer, où le caillou dans le ciel que je vais rencontrer, n'aura strictement rien à voir avec tout ce que j'ai déjà connu. C'est donc, de manière deleuzienne, une expérimentation, au fond, un empirisme transcendantal, dirait Deleuze, c'est-à-dire une manière d'expérimenter un champ qui ne relève pas de nos connaissances ni de nos possibilités de connaître. Géré par évidemment le sens commun l'entendement ou la logique classique. Oui, moi je voudrais revenir un peu sur la question de la mythologie qui a été évoquée à un moment donné. Il me semble qu'il y a un voisinage très étroit, précisément, entre la mythologie, la science-fiction et la philosophie. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un récit des origines, mais du récit de quelque chose qui peut se produire par la suite. Et d'ailleurs, ce que vous avez dit par la suite, en ce qui concerne la rupture avec l'accumulation, la récapitulation, et un point de départ, une échelle microscopique, ça me fait penser à quelque chose de l'ordre de la naissance d'une pensée
à venir. Mmh. Il n'y a rien à voir, il n'y a plus rien à voir avec ce qui s'est produit. On est tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de disjointement entre la situation initiale et la situation finale. Habituellement, un récit il est organisé de façon relativement simple à comprendre. Il y a une situation initiale qui est perturbée par un événement, et toute l'action consiste à rétablir la situation initiale à la fin. Donc la fin rejoint le début. Or, il se trouve que dans la mythologie, il y a la question de l'origine qui se pose, mais c'est toujours une origine qui est en train de bifurquer, qui est en train de dériver. C'est toujours une origine qui est en train d'être saisie dans des mouvements accidentels qui vont nous entraîner ailleurs qu'au point de départ, même dans la question du cycle, donc d'Ulysse, l'Odyssée, on est dans quelque chose qui relève d'un retour, certes, au point de départ, d'un retour en Ithaque, mais Ulysse n'est reconnu par personne que peut-être par son chien, et lui-même, au fond, ne se reconnaîtra pas. Il sera comme Hegel sur son lit de mort qui dira que personne ne m'a compris, même pas moi-même peut-être. Voilà, donc on attribue ce mot à Hegel ou quelque chose de ce genre-là en tout cas. Et oui, alors il s'agit en effet de cycles, mais ce sont les cycles qui se recoupent entre eux de manière à composer quelque chose qui serait davantage redevable d'une écume, vous savez, ces bulles de savon qui se rencontrent sur une surface topologique extrêmement intéressante que Philippe K. Dick évoque lorsque il dit que au fond on est comme devant un verre, l'univers est comme un verre de bière. Et lui est dans la situation de celui qui verrait le serveur dans chaque bulle en train d'écumer et de déborder sur le pourtour de son verre. Et donc du coup, oui, c'est ça. Et Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, est aussi, il achève ce texte, la phénoménologie de l'esprit, par la figure du calice qui écume et l'infinité des bulles qui, chacune évidemment indépendante, qui éclate dans le grand dehors. C'est très beau. Merci en tout cas d'avoir eu la patience de m'écouter par un ton tout à fait digne de la science-fiction. Merci à vous.